là aujourd'hui, qu'il est blessé. Donc Ntenza reprend sa place à la pointe de l'attaque. Long ballon croisé, c'est pas mal, ils sont à deux contre un là sur le côté, la reprise était belle. Ah, c'est bien joué, ouais, non, c'est pas mal du tout. Défense de Tevez, défense de Tevez. Alors, Ngo Ntenza, le centre de Lovre, attention, bah c'est Joe, il a pas tout contrôlé. Attention, le désir de la défense de Bévelin de remonter le terrain quand il donne. Attention, Lovre maintenant, le ballon magnifique, alors faut peut-être mais là, ça fait bon, le basse Joe. C'est vrai que ça arrive pas souvent ça. Non. Voilà, ici Lovre qui adresse un ballon à Lemis qui fait le pressing sur Compagnie, l'obligeant à relancer rapidement. Lovre avec la torte. Basse Joe maintenant. Lovre sur le côté droit. S'il arrive à centrer, la crocheter une fois, deux fois. Bon ballon, très bon ballon, et ça aussi c'est bien joué. Vers Zeblakov, il peut lui donner un bon centre maintenant, c'est parfait, et c'est but. Super. La correct. Arunonit, Lovre, et Schmidt, Sturte. Lovre, encore Arunonit. Une équipe d'Anderlecht qui est pratiquement au complet à l'heure actuelle. Et cela depuis le début de la saison. On oublie un petit peu ce genre de paramètre important pour un défenseur. La relance à 20-25 mètres. C'est l'un des rares en Belgique vraiment avoir un but. Hermans. Quand on vous disait qu'il était en forme au tour du but. Ah, bien essayé. C'est le exact. Oups, ça va arriver. Est-ce qu'il peut passer? Il tombe. Il n'y a rien du tout. Le jeu continue. Lovre. Et oula! Ça n'a pas été touché par Steinem. Vous avez vu le geste des journalistes à Denis Veuvec, il faut donner un carton pour simulation à Jestrovic. Et c'est une belle frappe, très lourd, le hors-jeu plus lentement, il essaie de partir dans le dos. Il y a un nouveau hors-jeu, Roulas, Dor, non. C'est pour Brune, beaucoup de peine à la limite du hors-jeu. Et voilà, frappé, non, Lovre, oublié par Victor. Le Jarre de Victor. Défensivement, Victor a parfois des absences. Il est sûr du reste. Il se relance avec un petit peu de champ. Regardez à Lovre. On va pas trop de bras. Ah, si ça passe ce ballon. Et ça passe avec le Jarre. Et Martens. Il y a bon jeu. Cornelis. Bon, Victor qui aurait bien aimé mettre en jeu. Bon retour de Lovre. Compagnie, Zetterberg. Oui, c'est comme un peu, ondanks een toch wel beperkte lengte. Lovre kopt door en gaat achter die bal. Lateraal bij Aruna. Een bal laat voor Lovre. Het inspelen. En een bal van die bal verdedigt. We proberen toch op de kant van Lovre te laten komen. En dat lukt op dit moment redelijk goed. Ik denk dat Haas niet meer te moeilijk wil. Maar we proberen het niet te houden. Ja, dat is dan ineens een heel perfect natuurlijk, want die is dan die controlerende middenvelder. Ja, een beetje raar omdat Van der Haar natuurlijk op die bank zit. Ja. Dit is de naam van de Hulpen. Voor een Lovre in de loop van Aruna. Trouwens. Dat is de supporter bij Lovre die er ruimte heeft. En daar is natuurlijk. Polonais, puisque Cracovie n'a jamais atteint la... Regardez, ils sont à la limite du grand, du... maintenant ils sont déjà reculés un peu, mais... Attention, Goran Lovre, Lovre qui a bien passé son adversaire, il essaye de centrer, ou de retrouver Aruna, le voici, Aruna pendant ce moment où il va falloir se reconstruire, Aruna qui évite tout de suite un homme, le bon, la belle montée, le ballon qui arrive, et Goran Lovre, Lovre qui essaie de sauver, Lovre qui essaie de détruire. Il faut bien remonter pour voir qu'il y a eu une faute que l'arbitre a pas sifflé pour laisser l'avantage à Anderlecht. Et ça a été très bien arbitré.
d'autant plus. Regardez, c'est avant qu'il fallait aller chercher la passe pour être sûr. Ah, le ballon est contré, il lui revient. Tout à l'heure, Lovré toujours, une première tentative sur le dos, et puis il a le temps du plat du pied. Quelle belle première mi-temps de ce Goran Lovré, parce qu'on l'a vu dans tous les axes, et ici il est très lucide. La première fois il essaye de lober tout le monde, la deuxième fois ça lui revient, il le donne. Et puis il faut insister quand même sur le travail de préparation de Wacom Bazeggio aussi. Goran Lovré, Aruna, petite déviation à Colbert qui s'est bien mêlé à cette zone avancée. On retrouve ici tout de suite Aruna. Quel magnifique geste d'Aruna qui vient se présenter mais qui ne la met pas dans le but. Defender natuurlijk. Geen goede bal voor Aruna. Smulders. Afgeblokt door Lovre. Lovre goed gedaan. Aruna, daar zit misschien wat in. Lovre. Voor Jastrovic tegen de paal. Gevaar van Club Brugge. Met Tummo, met Lange. Hier nog eens die kopslag van Jastrovic. Ja, dat kan je bij. Victor Rozenaal. De Kok. En de eerste paal weggekopt door Lovre. Zorgelijk van Maceni in de voeten van Lovre. Vooral ook heel onoplettend. Het hoofd van Krasson. Azu komt in de rug. Van Kraus. Daar gaat Saraf kunnen gelukken. Maar dan zou Jastrovic waarschijnlijk weer buiten spel hebben gelopen. Lovre. Ja, heel actief. De Feit met een strakke voorzet. Bangura. En Lovre die heeft de bal afhandig gemaakt. En er is ruimte voor Wilhelmsson. Goed diep naar je zon. Maar het aanspelen was niet daar. Opnieuw doorkomen van Lovre en dan... Ah, ik denk toch dat het de schot naar doel was. Als ik eerlijk moet zijn, maar met een groepje zat er dan wel drie mensen nog heel kort op. En dat, daar heb je van die situatie natuurlijk. Hier is de schok die voorgooit. En Lakke met een vuist. En een schot op tegen de paal en Jastrovic. De opportunist. Een schot van Lovre, flitste Nederland. Ja, mooi gespeeld. Zijn vierde goal in drie wedstrijden. Heel goed trouwens, geïncorporeerd hier van de start aan de linkerkant, dat wordt wel eens vergeten. En nu ziet het er helemaal mooi uit. De bal is niet ver genoeg. En dan Lovre met het schot, bal aan de bal, op de lat en dan een heel attente Jastrovic die binnenkomt. Dat is de sterke in de 16 meter. Jastrovic met een voet gered. Per se de zaken wil forceren. Ja, de eerste keer vond ik zijn actie goed, alleen zijn schot nog niet goed. Décompensé à la 67e minute exactement, son nom Goran Lovre. Il double le score de manière acrobatique, 0-2. Le champion s'est montré efficace et atteint avec ce succès les 80 points au classement. Bruges a perdu, mais est sauvé. Avec Mpenza. Accélérer un petit peu. Wilson en jeu. Non. Aruna. Oh, Beguine. Maintenant Lovre. C'est but. Et bien il s'est fait attendre celui-là. C'est paradoxal, mais c'est comme cela. Anderlecht est un peu dans la panade. Alors qu'il a inscrit son quatrième but. Parti à la limite. Aruna qui n'y est pas ce soir. Ça c'est une certitude. Et heureusement pour Lovre qui calme un peu les esprits qui s'échauffaient dans les tribunes. Die uitgevallen is en daardoor komt Sol dus op het viermans middenveld met Bassejo Hazi Lovre. Ja, dan wordt hij dubbel zo gevaarlijk, klopt. De Lange. Lovre van Tomot. En een nieuwe corner. Nee, even volgen. Die schiet voor. En Lovre. Toe in zijn buurt, krijgt de bal toch bij Vaseggio. Jastrovic, Vaseggio opnieuw. Zoekt dan Aruna.
Dat is een goede bal, die trekt naar binnen. Linkse maat Jestrovic. Lovre komt, brengt voor, Aruna legt af. Jestrovic en die bal ging nog. Wordt dat is Mitu. Oh, die mixen hem ineens naar de korte hoek hoor. En een hoekschop van die is. Dolly is mee. Lovre en Mendoza in duel. Door de brug. Steeds tegenstanders. Aruna, Jestrovic. Aruna met een gelukje. Een schepper voor. En die gaat erin. Lovre op zijn verjaardag. En een knap doelpunt. Zowel qua constructie als qua afwerking. Ja, maar het zat eraan te komen, hè, want uiteindelijk een aantal keer net niet. Maar je voelde het gewoon dat ze daar de betere waren, al twee, tegenover een rechtstreekse tegenstander. En Anderlecht heeft wat het eigenlijk moest hebben. Dus. Ter Heide in een corner. Hoe staat er Lovre? Geduwd moet ik zeggen. Daar komt de tweede corner.